salaire minimum. Lobby politique. Hop. Hop. Lobby politique, littérature d'avant-garde. J'invente plein de trucs. Hop, on va aller taper les rebelles belges. Paf, 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 paf. Voilà. Bataille de Bruxelles. Fusion. Hop. Pas envie. Hop. Oui, je fais pas la guerre. J'avais déjà dit, hein, plusieurs fois au début, mais c'est vraiment, je ne fais pas du tout la guerre dans ce genre de jeu, donc pas envie. Et bizarrement, j'ai l'impression de m'être tué pendant 20 minutes, là. Hop. On invente la psychanalyse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si conception moderne, super. Est-ce qu'on est très loin? Allez, on est quand même à 900 points. Hein. Je vais pas pouvoir tout rattraper que au militaire. La Grande-Bretagne est à 10 000. Là, c'est. Même plus la peine d'essayer d'y penser. D'accord. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Hop. Effectivement, ils sont en train de... Les Russes jouent à ne pas me laisser influencer du tout. Hop. Et bien sûr qu'on y va. C'est bon, j'ai un accès militaire avec la Prusse. Électrification d'Orléans. L'Empire russe est une grande puissance, une très grande puissance même. Bientôt la Chine va me dépasser en grande puissance hésitée. Tiens, où est-ce qu'on en est ici? Ah, toujours pas. J'ai inventé la psychanalyse. Plus 3%, influence diplomatique, interventionnisme gouvernemental, premier tracteur à Paris, 98,9 d'éducation, hop, plus de socialisme, et ça monte tout doucement, ya, organiser des élections. Donc le vainqueur sera connu quand? Le 19 juin 1912. Et là, j'ai une chance de changer de complètement de couleur politique au niveau du truc. Les mouvements, ces campagnes pour l'aide aux personnes âgées ou le salaire minimum. Hop. Donc, campagne d'aide aux personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'avènement de pensions dérisoires. Allez. C'est offert par la maison. Donc. Mieux que ce soit les défavorisés parce que je pense qu'il y en a moins en Auvergne. Allez-y, donnez-moi le résultat de mes élections. Je veux connaître le résultat des élections. Libéral, social, conservateur, communiste, anarchiste, fascisme. Voilà, ça c'est très bien, ça c'est très bien. La révolte de masse. Je veux le résultat de ces élections. Puis je pense en plus que, enfin là, on va être sûrement à la fin ou au début d'un épisode tellement
Ça s'arrange bien pour se couper de manière bizarre, étrange et pas extrêmement pratique tout le temps. Hop. Construction d'usine, il y a plein d'usines qui sont en train de se faire construire. Ah, j'étais à plus de 1000 en puissance industrielle à un moment. Citoyenneté limitée, c'est parti. Ah là 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 là. Je perds beaucoup. Citoyenneté limitée, si les gens ont envie de la citoyenneté limitée, on va leur donner la citoyenneté limitée, c'est tout. On va pas se casser 1000 ans. Hein. Pour les gens qui soutiennent socialisme, pour les gens qui... Ah oui, non, c'est pas la même chose. J'avais cru que c'était le même gain et même perte, mais non. Mais... Ah, dans un mois, j'ai la réponse. Entrepreneur de petits actionnariats. Juin. I. Hein? 19. Il y a 19. Zut! Saleté de conservateur. Moi qui pensais réussir à changer de couleur politique. C'est raté. Hop. Donc ensuite, est-ce qu'il... Ouais, il va rester toute la marine à faire. Je vais finir la culture. Ensuite, je vais faire un peu de marine. Et puis, ça sera très bien. J'aimerais bien faire quelque chose de tout mon argent. On va en faire quelque chose de tout mon argent. On va baisser la pression fiscale. Oh non, 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 on va pas baisser la pression fiscale à zéro, tiens. Oh là là. Alors, pour la peine, ta pression fiscale sera à 31%. 31,83. Toi, tu vas plutôt être à 31. Ok. Et toi, ta pression fiscale va être à... À ceci. Voilà. Parfait. Un peu baisser la pression fiscale. Industrialisation par substitution aux importations. Ok. Why not? Révolution et contre-révolution. Behaviorisme. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette chambre des conservateurs? Économie mixte, mais on sait pas ce que c'est. C'est diminuer les intérêts d'emprunt, mais vu le trésor de guerre que j'ai, tu rêves que je vais faire des emprunts. Ben parfait, encore un peu de prestige. Ah là là, behaviorisme, ça remonte. Budget, c'est pas mal. On va diminuer un petit peu leurs impositions encore. Emprunt familial à l'ancienne. Entreprise familiale à l'ancienne. Emprunt familial. Non, pas d'emprunt familial à l'ancienne. Jacques Joffre est mort. Dommage. Hop. Voilà, ça avance. C'est la Prusse, la Prusse, la Prusse. Hop. Ah.
Zut. Mais nickel, je suis allié à la Prusse. Relance économique. Super, je vais faire un plan de relance économique. Hop. Donc. Ah, il galère la SFIO à monter, hein. Il galère, il galère. De plus en plus de fascistes, par contre. Premier tracteur à Tulle, behaviorisme. Quasi fini de se rechercher. Faire de la politique de masse. Balance la politique de masse. Ça, ce sera tranquille. Ensuite, on va faire du développement organisationnel, du keynésianisme. Police secrète, wouhou. BD. Perte d'argent. Hop. Perte d'argent, augmentation d'impôts. Là, quand même pas là. Peut-être pas déconner. J'ai inventé le cinéma parlant, le réseau national de distribution. J'ai éclaté des gens à Bruxelles. Pareil. La chambre haute, c'est les libéraux qui arrivent. On augmente la pression fiscale. C'est bien parce que là, en quelques années, ma pression fiscale, elle augmente, elle baisse, elle augmente, elle baisse, ça devient n'importe quoi et je pense que personne, personne de la population n'arrive à comprendre ce qui se passe au niveau fiscal, mais c'est pas grave. Ils sont pas vraiment là pour comprendre ce qui se passe au niveau fiscal. Hop. Les mines ont fait boum, fusion. Vas-y. 99% d'éducation. Wouhou! Mais bien sûr, j'ai accepté une. Ouh, je peux construire la tour Eiffel. Ouais, je suis un peu en retard. J'admets construire la tour Eiffel en 1914. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Lanceur de bombes anarchiste. Ah, sympa. Ah bah j'ai fait la politique de masse. Non, développement. Hop. Demande que les conflits guerre américano-malgache contre Madagascar. Ok. Le temps que mon bateau arrive là. Ça va être drôle, quoi. Allez, je vais bien te déplacer quelques petites troupes. On va déplacer eux. Fusion. On va déplacer eux là. Pas s'ils vont y arriver d'ailleurs. Non, mais s'il aurait fallu que je fasse des transports et tout ça. Hein, débrouillez-vous les États-Unis. J'ai dit que je venais. J'ai pas dit que j'allais être utile. Il y a une différence entre venir et être utile. Alors, grande puissance, qu'est-ce qui se passe? Que je me fais éclater partout. Je voulais voir où en était la Prusse. La Prusse, la Prusse. Ah, l'Autriche me l'a volée.
publicité de masse, jazz. Donc, ils sont pas intéressants. L'Italie, c'est une grande puissance. Pas grand chose d'autre intéressant. Hein. C'est bizarre. Ah là là, j'ai raté la Prusse. Si c'est pas malheureux. Bon. Politique, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Allez, bam, organiser des élections. Ouh, bah il y a plein de rebelles par ici, dis donc. Allez, paf, les rebelles. Fusion. Hop, le développement organisationnel est en train de se faire. Hop, économie keynésienne. Et je vais sûrement inventer, oui, John Charles Keynes. Hop. Je sais même plus si c'est John Richard en fait. John Maynard Keynes, c'est vrai. Culture, c'est tout fait. Industrie, je ne peux pas encore le faire. Commerce, bah, de toute manière, c'est quasi tout fait. Arme. Ah, aéronautique. Écoute, Keynes, on va te mettre en pause. Le temps de faire de l'aéronautique. Ah bah j'ai gagné. Dans mon Loir raté. J'ai inventé la musique d'avant-garde. C'est toujours bien. Électrification de Saint-Étienne. Parfait. Ponk. Pleine citoyenneté. Ah, parti socialiste et communiste. Alors là, du chat et de la souris. Hop. Alors ça doit être là. Paix blanche. Ok. Donc, une limitation du temps de travail à 10 heures. 14%. Et les autres, c'est le salaire minimum. Salaire minimum, 8%. Ok. 10 heures par jour. Ah, je ne peux pas construire à l'étranger du coup. Encore une fois, ma chambre haute est à majorité conservatrice, c'est pas logique du tout. Mais bon, j'ai réussi à changer de couleur politique. C'était vraiment pas gagné. Ça a vraiment pas été facile de changer de couleur politique. Alors, ça c'est bon. Je commence à remonter au niveau industriel. Au niveau militaire, je suis dépassé de tout ce qu'on peut penser. Donc, on va faire de l'aéronautisme. La doctrine du fascisme. Plus 75% de rebelles. On va finir par réavoir des rebelles. Hein. Bon, l'aéronautisme, dépêche-toi.